le monde, on est parti sur un mini épisode bonus de Echo. Donc coucou l'équipe. Coucou. Et alors cette fois-ci, on n'est pas dans le vrai jeu. On va utiliser les commandes admin pour vous montrer eh bien tout ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe quand on pollue? Qu'est-ce qui se passe quand l'astéroïde s'écrase? Et toutes ces bonnes choses. Donc déjà, on a besoin d'un nouvel astéroïde. Donc on va le sortir tout de suite. Hop. Tac. Il sort ça de sa poche. Et un météore sauvage, voilà. Un météore sauvage est apparu. Oh, les lasers qui sont tous réorientés. Oh. Tout seul comme des grands. Effectivement. Effectivement. Alors, je ils crois que chaud, le météore ouais. est de... Ah, il le cherche. Je crois qu'il le cherche. Ouais, il le cherche. Il doit être de tout, ouais. Il doit être de l'autre côté, voilà. Alors, du coup, on va vous montrer la pollution. Alors, bah tiens, je vais mettre les blocs de pollution ici. Alors, hop, on m'a dit qu'il faut en mettre plusieurs. Ah, vous n'êtes pas autorisé à construire ici. Donc, je vais les mettre sur ma parcelle. Je vais polluer mon endroit. Il faut voilà, désactiver l'ordinateur pour être sûr que les lasers ne retirent pas. Qui est juste à côté non, de chez moi. Non, mais il retire pas tout seul. Non, il faut l'activer. Ok, ça marche. Ah, voilà, c'est celui-là le celui qui pollue à mort? Ouais, ouais, c'est ça. Currency polluting. D'accord. Voilà, alors, je peux pas construire ici, c'est bizarre, ça me laisse pas en mettre plus. D'accord. Alors, peut-être parce que vous êtes à l'endroit de construction? Est-ce que peut-être, c'est ouais. Ah, peut-être, ouais. Ah, voilà, effectivement, deuxième. Je peux le mettre là? Non. Il faut qu'ils soient un peu séparés les uns des autres. C'est une parcelle, non? S'il vous plaît, qui a Hiatus, laissez-moi cet endroit. Non. Attends, voilà. On peut les prendre au marteau. Alors, donc ils ont été posés, en fait, on se rend compte qu'il y en a un petit peu partout maintenant, donc ça a pollué à mort. Donc du coup, on va très vite aller regarder ce que tu voulais nous montrer, le laboratoire. Aza? Ouais. Ouais, c'est dans le sous-sol de l'ancien bâtiment de Bastou. Ah, de l'ancien bâtiment de Bastou, d'accord. Alors, c'est parti. Alors c'est ici, c'est le laboratoire et je vois qu'il est connecté au tuyau. Et avec ça, tu fais quoi? Ouh, affiner la viande, voilà. Des cartouches de CO2, du fécule de maïs, de l'hydrocolloïde. Et alors tout ça, c'est pas vraiment dans le jeu, je crois que tu m'avais dit, ce n'est pas encore vraiment utile. C'est ça, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment développé cette partie-là. On voit en fait quand on veut mettre des trucs avant qu'il y a des trucs qui commencent à apparaître, mais pas avec encore. Vous devez fabriquer avec ça ou avec ce bâtiment. D'accord, donc ça c'est vraiment le dernier ajout dans le jeu qui pour le moment est pas super utile. Alors on revient. Donc normalement le niveau de pollution devrait continuer de remonter et je vous propose de faire écraser l'astéroïde. Ah bah ouais. Ouais. Alors il faudrait. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Alors vous êtes prêts? Ouais. Et est-ce qu'on ferait pas rater les lasers dans Ouais, on ferait rater les lasers d'abord, non? Ah, bah allons-y, alors, ouais, allons-y, on va faire rater les lasers en premier, c'est vraiment au dernier moment. Donc lancez-le, quelqu'un lance l'ordinateur. Il y a que Maïmé et ceux qui ont les accès qui peuvent lancer le... Computer. Alors, Xav a tenté un saut, ça a été raté en caméra. Ouais, j'ai eu un lag, c'est affreux. Oui, le lag. Bon, en fait, je me suis manché à moitié la vitre. C'est lancé? Non, moi ça me fait rien quand j'appuie sur E en fait, c'est comme si c'était table pour moi, c'est trop bizarre. C'est parce que t'as pas l'interface d'activer. Alors je le repose. Ah, faut que tu refasses Alt W peut-être. Non, on peut pas l'activer, oh, on peut pas refaire une deuxième fois. Ouais, regarde, les lasers l'ont perdu de vue, ils sont en train de le chercher. Ah. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est lancer la séquence quand il est au bord de l'horizon. D'accord. Comme ça, ils l'auront, on lance la séquence, ils vont commencer à le détruire et quand il va passer en dessous, ce sera trop tard. Ben, on va attendre. Alors, on a positionné un laser derrière Xav pour qu'il n'ait pas une vue directe de l'astéroïde. Et on espère que ça va rater. On a essayé de le faire quand il va à l'horizon, mais il ne nous laisse pas le lancer à ce moment-là. Donc, on va tester. Donc là, vous pensez qu'on peut ou encore un peu? T'as le temps. Ok. Faut que ça avance un petit peu. Après, le laser est positionné derrière chez Xav, pas derrière moi directement. Ouais. Ça passerait pour une tentative de meurtre, on est bien d'accord. Ça dépend dans quel sens tu tournes le dos. Hein. Je sais pas moi. Là, je peux y aller ou toujours pas là? Attends, je vais te dire à partir de. Ça arrive bientôt bon d'ici à peine 15 secondes. Pour moi, il est largement. Vous êtes desync, les gars. Là, il est ouais, largement. Ouais, mais non, moi je le vois endroit. Plus depuis le bas de chez Xav, donc je pense que tu as moi, bien. Allez, okay. On y va. Tu peux y aller maintenant. C'est parti. Ah, je vois le laser qui suit. Ouh, ça m'inquiète. Ouais, c'est trop tôt, moi je pense. Vous avez ça m'inquiète. On peut pas désactiver. Ah non, ça a touché ton bâtiment. Ça touche le bâtiment. Ça a cassé mon toit ou pas? C'est passé à travers le bâtiment, ça casse ouais, rien du tout. Ouais, ça passe à travers le bâtiment de Xav. Oh. Mais attends, ça va te charger aussi.
Non, chez moi, il passe au-dessus. Hein. Il passe tout là, là, ça passe clairement. Là, il passe au travers. Moi, celui qui est derrière chez Xav, il passe clairement dans ah, le. Ouais. Le... Là, il est au travers. Ça va toucher l'astéroïde. Donc, ouais. Explosé. Il est explosé. Dit, ah, cool. Donc on peut pas empêcher les lasers de toucher l'astéroïde. Ou alors, on n'a pas trouvé. Il y a technique, mais on la connaît pas. On l'a trouvé pas. C'est pas grave. C'est à essayer. Alors maintenant, on fait. Au moins, on est trois fois gagnant. Je dis ça, on a gagné trois fois. C'est vrai qu'on n'arrête pas de gagner, ça. Hop, on en remet un autre, et on va le faire tomber, du coup, maintenant. Ah oui. Ah, là, ça va être sérieux. Alors, tac, je reviens et là. Et au niveau de la pollution, on en est où, Maxou? Ah. Pas encore. Pas encore, d'accord. Ça ne devrait pas tarder. Donc, on va attendre que l'autre revienne, et là, on va voir ce qui va arriver à notre ville. Au passage, on a sauvegardé la ville, vous pouvez la télécharger si vous voulez la tester. Le lien était dans la vidéo précédente, dans la description de la vidéo précédente, et dans celle-ci. Hein. On va vous le mettre en ligne, pas d'inquiétude. Avant la destruction des astéroïdes, avant la pose des lasers, donc vous avez un petit peu de gameplay si jamais vous voulez vous les reprendre. Ah, alors ça y est, la rivière n'a pas augmenté de level, mais la mer si, et on m'a dit que du coup on a une mine inondée, c'est bien cela? C'est ça. Ouais. Elle est où la mine? Voilà. C'est ça là? Ouais. Parce qu'il en reste. Bah, je la vois pas. La Dan, ici, là. Bah, l'entrée est sous l'eau, quoi. Ah. Twitch à poule. Génial. Génial. D'accord. Ah ouais, ça c'est classe. Et donc maintenant, vu que l'on a dépassé un certain niveau de pollution, il est trop tard pour la planète. L'eau va continuer de monter de level régulièrement. Et si on fait la commande disponible à tous, on peut voir que là, le niveau est passé de 60 à 60.01. Donc chaque .01 est un cube d'eau. Et donc ça va continuer de monter toutes les quelques minutes, on ne sait pas encore. Et on va voir tout ça. Alors bah, du coup, je pense que l'on peut maintenant passer à l'étape suivante. La chute de l'astéroïde. Allez. Alors, est-il dans le coin? C'est la question. Est-ce qu'on peut le voir? Non. Les lasers, ils visent quelque chose ou ils visent rien, les lasers? Faut regarder. C'est la question. Ils visent rien pour le moment. Ils visent rien. Ils sont au bout de leur vie là. Donc bah, plus qu'à attendre que ça arrive et peut-être qu'on aura encore un petit peu plus de level d'eau qui vont arriver. Ouh. Êtes-vous prêt pour la chute de la météorite? Alors il y a deux commandes donc j'espère ne pas me tromper. Ouh. Oh Why oh. Oh, elle arrive droit sur nous ça là. Ça fait peur. Oula. 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 Elle est pas ma maison. Famille, il avait été éclaté. Non. Oh. Laisse ma maison tranquille. Oh non. Vous m'en voulez pas, je m'en vais, hein. Oh, 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 oh. Oui. Voilà. Ah, ça va, elle est partie plus loin. Oh, là, elle est où? Adieu, les amis. Oh, mon usine. Oh, non. J'irai mourir avec lui. Oh, yes. C'est violent, hein. C'est d'une violence. Ma maison, elle est tranquille, ça va. c'est moi ou elle est... Ah non, elle est encore vivante, ok, d'accord. C'est le seul truc qu'on voulait casser, quoi. Ah ouais, wow. C'est bon. C'est pas non, c'est tombé plus loin, mon gars, ça va. C'est pas fini, c'est que le début. C'est pas fini. C'est pas fini. Là, il y a la... Oh, ça a pété un laser. Le laser vient de se faire péter. Est-ce qu'on va survivre à ça? Oh là là. Oh là. No. Ouais, c'est... Ah, ça ressemble à l'apocalypse, effectivement. Ouais, là, c'est la vraie apocalypse. Oh, ma maison, non, c'est bon, ma maison est épargnée. Oh, oh là, la maison. Le balcon de Bastou. Moi je suis safe, hein. C'est la force du Wapiti, moi, elle éloigne toutes les météorites. Ma cuisine et tout, non. Tout se passe bien pour mon robot. Ta maison qui... Ah ouais, ta maison, elle est magnifique. Ah non, mais là, elle a tout pris. Ah ça y est, ma maison aussi, je crois. Oh là là. Xav, nous on n'a pas de soucis, ah oui, ça se passe bien. Oh ya ya, mais oui, complètement. Ultra safe. Y'a plus Wapiti, mes 60 ans. Non, mais en fait, Xav, il bouge pas. Son bâtiment bouge pas, c'est la force des Wapiti. Ah, voilà. Allez, elle a... Ouh, la maison de Dan, elle va m'en prendre un coup, là. Ouais. Oh là là. La maison de Bastou. Oh, mon usine. Je crois que mon usine vient d'y passer, là. Ah. Ça va, ah oui, ton usine, elle a pris un truc. Bah, moi, écoute, ma maison se porte super bien, et toi, Xav? Je suis même pas inquiet. Mon gars, ça va. Attention, ça se rapproche, ça vient de terrain devant ta maison. À n'importe quel moment, c'est fini, mais mon gars, il s'est rien pris finalement. On a l'impression que là, la météorite, elle est. T'inquiète, moi je suis safe.
Je dis merci à la protection des Wapiti et leur mais maître regarde, Xav. Les énormes bâtisses, genre la mairie, la maison de Xav, le robot de Teko, ça n'a rien pris quoi. C'est marrant. Ah non. Ouh, le robot de Teko, ça y est, Teko. C'est grâce au Wapiti, ah, tiens. Regarde Teko, regarde ton gars. Non, c'est grâce au Wapiti. Si... Oh, oh non. Teko, il est grâce au Wapiti. On a un demi-robot maintenant. Ah oui, il est vraiment. Oh, la mairie vient de prendre un coup. Oh, eh oui, c'est vraiment la maison qui tient le plus, quoi. Je suis même pas une égratignure, rien. Ah, là, je crois. Demandez. Ouh, Xav, c'était passé, mais ça t'a frôlé. Un autre qui te frôle encore. Ah, ouais. Ah, ça m'a frôlé aussi, mais. Ah, bah. Bah voilà. J'ai pas survécu. J'ai vu en direct. Le garage vient d'y passer. Et le dauphin, non, le dauphin est intact, hein. Le dauphin dans le robot. Et la maison de mamie aussi, elle est intacte. Ouais, la maison de mamie, elle est intacte. La rivière est décédée aussi, plus tard. Ah, la rivière. Ça tombe à côté. Oh là là, ma place. Oh, ça y est, Xav. De toute façon, je suis sûr que les météorites partent de chez Xav, de toute façon. Non, c'est la hauteur du truc. Oh non. Ça tombe devant chez moi, pour l'instant, ça ne touche pas. On est bien mais c'est sans fin. Pour l'instant, c'est intact. Ah ouais, et bah le furon, il vous 18, hein. Franchement, mais je vous recte tous. Et ma cave qui s'est faite enterrer. Désolé, je dédicace ce moment à tous ceux qui ont cru en moi et en ma construction, qui ont trouvé que mon horloge était pertinente. Ça y est, Maïmé, ta maison s'est fait attaquer. Oh, oui. J'ai toujours cru en toi, Xav. Du moins, oui, tout à l'heure, entre 15h30 et 15h32. De toute façon, le temps donne raison à ceux qui sont justes, quoi. Hein. C'est vraiment... Oui. Oui. Oh, mais c'est plus de météorites infinies ou normalement ça s'arrête, non? Ouais. Non, infini. C'est infini. C'est infini. Non. Bah, c'est pas ça. Je crains rien. Ah bah là, jusqu'à ce que l'océan ait des nuages, ça devrait aller. D'accord. Non, moi je suis safe. Hein. Alors, du coup, je vais sortir un peu le mode fly pour pour montrer tout ça. Oh, pétard, elle a failli m'avoir celle-ci. Oh, tu m'auras jamais. Xav, t'as eu un super karma quand t'as dit moi c'est bon. Et ben, il y a une météorite qui est partie en plein dans ton escargot. L'eau bah ouais, mais elle a explosé juste avant l'escargot, du coup il a rien pris. Ah non, ah, je te confirme qu'il est à moitié calciné là. Oh, les éoliennes, oh le trou! À côté des éoliennes, le trou qui a ravagé les. Je sais pas qui s'est ravagé, mais les éoliennes sont intactes, mais il y a un gros trou à côté. Xav, je te vois surfer sur l'eau. Mais moi le... chez moi, Teko, bah peut-être l'escargot a perdu une brique, vite fait. Mais c'est non. Tout ce que je conseille. Hein. Non, c'est que c'est pas... ouais. au passage, la maison de Bastou a été défoncée, je crois. Ouais, c'est l'usine de Bastou. Ouais. Mais il reste l'ascenseur. Ouais, il reste toutes les machines. Les météorites, elles détruisent les blocs, mais les machines, on les laisse tranquilles. Oh. C'est plutôt bien. Terre, il reste mon laminoir, il reste ma ligne de fabrication. Bon, par contre, elle marche plus. Il reste mes fours. Je peux vous faire fondre. Et sous la mine, comment ça se passe? Le Wapiti. Voilà, sur le toit. La force des Wapiti. Il reste la fin de mon toit. Ma maison n'a pas encore été affectée. Alors, est-ce que vous voulez tenter la commande qui fait pleuvoir 10 météorites d'un coup? C'est les PC qui vont te détester, mais ok. On va cracher tous ensemble, les amis. Comme ça, on va voir si la maison de Xav. Je suis safe, hein. Je suis safe, Teko. Ah bah, toi, là. Bah oui, ouais. t'es dessus. C'est pas normal. Moi, il y a plus d'escargot. Oui, moi non plus. Et moi, je te vois surfer dans le vide. C'est pour ça. Ah oui, Xav, t'as perdu ton escargot. Ah bon? Ah ouais. Mais c'est pas. C'est juste que ton PC veut pas l'admettre, c'est tout, mais... On va faire la grosse commande qui va faire pleuvoir. Allez, vas-y. Ça s'appelle le lit de météorite. Ah, non. Hop. Ah bah, Xav, je peux même plus monter sur ton toit, tiens. D'accord. Je suis enseveli de... Allez, envoie-nous les météorites, Dan. Normalement, c'est fait. Ouh. Ouais, c'est passé quelque chose. Ouh, regardez. Ah pétard, oui, ça tombe tout au même endroit, en fait. Ah ouais, et là, c'est sur la maison de Maïmé. Non, ma maison. Ah, ça lance là où t'as mis la commande, non? Ah, ouais, balancé où j'ai mis la commande. Va sur la maison de Xav. Ah, mais c'est... Enfin, j'hallucine, quoi. Vous en êtes rendu là. Ma maison est tellement intacte que... Ouais. Alors, Meteor Impact, là, sur le truc. Meteor Rain. Alors, je vais juste me rapprocher un petit peu, parce que pour être à côté. Juste histoire, voilà. Ouais. Hop. Mon robot a perdu ses bras. Ah, je passe. Ah, je bug. Ok. Regardez. Ah bah ouais, là, forcément. Ah bah là, regardez, ça se furoncle. La vengeance de Dieu.
Qui se prend, lui? Dieu, oui. Hey, moi, j'ai juste demandé, c'est pas moi qui les envoie. Je les demande et ils arrivent. Hein. Donc, c'est qui les envoie? Le labo d'Aza est toujours intact. Mais l'environnement, je suis pas sûr. Ah, Peter, ton robot, il vient d'en prendre une sur la poire, t'es con. Oh, ouais, oh. Ouais. Oh là là. Ah, c'est classe. Hein. Ah, c'est quand même bizarre. Volant, c'est quand même bizarre que les pluies de météorites soient beaucoup plus classe que la destruction d'astéroïdes, quand même. Hein. Je trouve ouais, c'est clair. Je vais voir si l'eau a continué de monter. Ah, bah là, chez moi, il reste un moulin et un fauteuil. Tu peux t'asseoir pour regarder la météorite, quoi. Il reste le dauphin dans les airs aussi. Ah, tiens, le camping, il a pris cher. Ah, le camping, tiens, pas l'eau fait. A un peu monté, mais pas beaucoup. Ah, comme c'est un petit peu. Le camping a pris un peu, ouais. C'était loin, je crois qu'il n'a rien pris. Je vois un météorite. Je vois tous les météorites plonger vers ma maison. Oh là bon, là, bah, là, les là. Amis, je vous annonce qu'on va tous pouvoir faire du camping bientôt. Ah, bah là. Mon restaurant est toujours vivant, enfin, quasiment vivant. Alors, oh, le camping de Miami, il a bien pris quand même, non? Il a pris, ouais. Je sais pas. Oh, mon camion s'est volatilisé. Vous ouvrez la map et vous voyez tous les impacts noirs sur la map. Ouais. J'avais un lavabo chez moi. D'accord. Peter, oui, ça a pris partout autour de la planète. Hein. Rien n'a été épargné. Mon ascenseur. Mon ascenseur fonctionne. Ah, bah, c'est bien ça. Autour des campagnes. En tout cas, Maïmé, oh là là, ton fond, il est intact. Oh là là, le parc du Pantier, il a un énorme trou, il y a plus de Il y a juste des ateliers qui flottent. Il y a un tapis volant, regarde. On peut plus aller chez Hiatus, hein, c'est fini. De toute façon, il n'y a plus de chez Hiatus. Ah non, t'es sur le tapis volant, incroyable. Ah, je suis Aladdin. Il y a encore chez Hiatus. Ah, il y a le niveau. Bah, disons que tout le minage qu'on a fait, l'astéroïde l'a fait en 36 secondes. Il a détruit l'eau également. Ouais, il détruit l'eau, oui, c'est... Et il en rajoute des fois. Ah, et le ouh, le terrain de course. Oh, ah ouais. Ah bah là, il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui sont pas terminés. Il y en a un qui m'a traversé la figure là. Wow. Ouais, c'est clair, je me suis quasiment pris sur la goule là, ça m'a... j'étais pas prêt. Ah, c'est pour ça que ta maison n'est pas visée, c'est qu'il vise toi directement. Peut-être, ouais. Alors, où est le terrain de course? Ah, on retente la course là-bas. Non. Alors la course, elle va prendre fin très vite. Je vous dis pas pourquoi, mais. Oh non. Hey, mais je crois qu'elle a visé les météorites ont visé la course, quoi. Parce que c'est pas possible que. Bon bah Diego, tu voulais des radis, y a plus de radis. Hein. Oh. Oh là là, cet endroit. Ah mais y a plus. Ah oui, y a. La mienne, c'est que la planète a explosé. C'est et... où Je vois les Oh. Attends, parce que chez moi c'est pas gay. Hein, c'est bien, c'est que du coup, avec la météorite qui est tombée sur la maison Xav, elle est aussi tombée sur la mienne. Du coup, il reste un mur à ma maison. Pas mal, moi j'en ai zéro. Je suis au camping de Miami, mais la ligne de départ, a disparu. Ah ouais, mais voilà. Xav, je t'ai vu. La mort de l'excavatrice qui a été percutée par un astéroïde et qui a juste disparu. Aïe. Oh. Mais elle l'a vraiment pris, genre en pleine tête. C'est... Et bah, donc il y a des camions renversés. Ah, il y a des camions. Voilà, les camions ont dû prendre cher. Hein. Bah, je pense que là, on a du coup, on a fini. C'est un let's play qui finit en flammes. Et c'est pas plus mal. Et et on vous dit bah du coup, bah à bientôt sur une autre, sur une autre vidéo. Ciao, bye ciao bye. Tout le monde. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.